qui est venu me voir pour faire la promotion. Je les ai dit, il n'y a pas de souci. Mais à condition. On dit, c'est quoi ta condition? J'ai dit, il faut que je puisse dire aux gens que maximum, il faut boire 2 par semaine et faire du sport, sinon ça peut créer beaucoup de maladies et beaucoup d'insuffisance rénale. On dit non, tu ne peux pas faire ça, ça a gâté le business. J'ai dit, je ne fais pas de business sur le dos de mes gens. Ça, je l'ai dit, et on n'a pas signé. Et c'était un gros chèque. C'était un très gros chèque. Il faut dire certaines vérités aux gens. Il faut dire la réalité aux gens. J'étais l'un des premiers contactés pour les paris sportifs. Et on m'a proposé 5 millions par mois. Et on m'a proposé que lorsque vous téléchargez l'application, j'ai 50% de l'argent que vous allez mettre dedans. Et on m'a proposé ce qu'on appelle gain perte, de vous pousser à jouer avec mon nom et que je gagne jusqu'à 70% de ce que vous perdez. Elle est belle la vie. J'allais me faire 30-40 millions par mois. Mais, et ceux qui me suivent, t'es trop vantard. Ah, la Gabonaise, on dirait que tu vends des produits cosmétiques, hein, ma chérie. Hein? On dirait que tu vends des produits cosmétiques, ça te fait mal. Ou bien, tu vends ça, non? Ça te fatigue. Je n'ai pas dit que tes produits ne sont pas bons. J'ai dit, fais examiner tes produits. Si tes produits sont bons, là au moins, les mauvais vont quitter et puis les bons vont rester. Mais ce que tu fais, c'est de la malonie. Parce que toi-même, tu ne connais pas ce qu'on met dans les produits. Toi-même, tu n'utilises pas ces produits. Si tu les vends, hein, mais tu vends ça à tes soeurs pour les faire tomber malades, pour pouvoir t'acheter des sacs Vuitton, pour te promener et puis faire des TikTok, faire des Facebook, faire des Instagram. Mais on a vu dans d'autres pays, on a vu Porti Porta et on a vu dans d'autres pays des influenceuses qu'on a mis en prison parce qu'ils passent leur temps à voler. Quand tu avais me dit vantard, c'est la vérité qui est vantard. C'est quand on vous dit la vérité et ça ne va pas dans le sens. Ça ne va pas dans le sens de ton business. Tu me trouves un vantard. Hein? Tu me trouves un vantard, hein? Ça te fait mal, hein? Ça doule. J'étais loupé. Et puis j'ai poussé. Parce que Dieu seul sait. Combien de combats qui m'ont créé des problèmes, mais je les ai gagnés. Et je vais les pousser. Je vais pousser l'État à contrôler tous vos produits de merde. Tous vos produits de merde que vous rendez la jeunesse malade avec ça. Parce que vous ne devez pas être en paix avec vous-même. Vous ne devez même pas dormir, fermer les yeux. Parce que, limite, vous faites de la sorcellerie. Vous êtes des sorcières directes.